nous sommes au château de l'Artaudière. Nous avons organisé une exposition du collectif Zinzolin. Donc aujourd'hui nous inaugurons l'exposition avec le vernissage et l'exposition se terminera le 29 juillet. Michel, vous pouvez nous expliquer votre travail ? Donc mon travail nécessite pas forcément d'explication, c'est très explicite, c'est des pièces très figuratives, ça représente peut-être des personnages idéalisés, qui sont humains ou animaux. Essentiellement, à l'origine, je travaille la terre. Et quand les pièces que j'ai pu finir sont à peu près abouties, et ben je les fais tirer en bronze, donc chez un fondeur. Donc c'est en principe chez la fonderie Adobati à Mercurole, mais il y a aussi la fonderie Barthélémy à Cré. Voilà. Merci. Merci, Philippe. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Vous pouvez nous parler de votre travail ? Oui. J'ai démarré la sculpture il y a à peu près 9 ans, en prenant ma retraite. Au départ, je voulais donc faire de la taille directe sur pierre, mais c'était un peu compliqué. Je me suis réfugié vers du modelage, de la terre. C'est plus simple. Je travaille de la terre. Je travaille aussi des résines et je fais des bronzes. Voilà. Ce n'est pas du tout du figuratif, c'est uniquement de l'abstrait, biomorphique, formisme, appelez ça comme vous voulez. Donc ce sont des formes que l'on retrouve dans la nature ou ce sont des formes tout à fait abstraites. En général, les gens préfèrent du figuratif, ça leur permet, j'allais dire, de se rattacher à quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils identifient, alors que se laisser emporter vers des sculptures ou des formes, j'allais dire, inconnues, c'est... C'est inquiétant, c'est un peu bon. Donc, c'est pas évident, je vais dire, donc de faire aimer donc des sculptures, je dirais abstraites ou des formes abstraites. Merci. Merci. Bonjour, Monique. Bonjour. Donc vous êtes peintre. Oui, peintre. Et depuis l'an 2000, je me suis dirigée exclusivement vers l'aquarelle. D'accord. Voilà. C'est plutôt du paysage. Parce que voilà, je me suis tournée vers l'aquarelle parce que j'avais envie de peindre les paysages de Bretagne. Mm-hmm. Et l'aquarelle se prête bien à ce genre de réalisation pour les bleus du ciel, pour les bleus de la mer, parce qu'en Bretagne, il y a la mer est bleue aussi, il fait beau temps. Voilà, donc avant. Et du coup, la Drôme ? Et la Drôme, alors de temps en temps, timidement, je fais une ou deux choses sur la Drôme, mais peu, effectivement. Mais j'ai quand même fait les coquelicots. Hein. Voilà. Mais du coup, quand vous voulez être inspiré, il faut que vous alliez en Bretagne. Voilà, alors en fait, je faisais beaucoup de rando en Bretagne. J'allais deux fois par an en Bretagne faire un séjour et je faisais la rando. Donc c'est aussi ce qui me motivait aussi pour peindre les paysages en Bretagne. Voilà, c'est vrai qu'ils sont très, très inspirants. Quoi. Merci, Julie. Voilà, merci à vous. Bonjour, Laurence. Bonjour. Vous nous proposez un drôle de travail. Oui, c'est pas du tout drôle, moi. Hein. Ouais. C'est... En fait, moi, j'ai découvert le Japon à l'occasion d'une sculpture, d'une commande. Et puis, je suis tombée dedans. Voilà. C'est-à-dire que plus je faisais de recherches, plus je voyais de choses qui correspondaient à ma façon de travailler, la couleur, les engobes. Et puis, chaque sujet est, en fait, l'aboutissement d'une grande recherche aussi sur la culture du Japon. Et ce que vous voyez, c'est aussi une partie d'une exposition qui voyage à travers la Drôme, souvent, et l'Isère, et qui s'appelle Anami, et que je fais avec ma collègue Tonia Matteucci, qui est peintre. Mais pour Zinzolin, c'est que mes sculptures. D'accord. Voilà. Et comment vous travaillez ? Comment vous créez ? Alors, c'est du grès. Je modèle le grès. Et ensuite, j'ai une technique de finition un peu particulière. C'est que je vais tendre la surface avec de l'engobe. L'engobe, c'est une terre colorée qui est très fine. Et je passe plusieurs couches. J'y vais patiemment. Et à partir du moment où ça commence à sécher, jusqu'à l'état sec. Et ça vous permet aussi de faire tout ce qui est ombrage et travail de couleur, de différence de... De différence de carnation, oui. Ouais. Mais je retravaille encore après. C'est-à-dire que je travaille les costumes, je colorie tout, je mets au four. Et ensuite, pour certaines, je mets j'émaille. Oui.
J'ai mal, c'est-à-dire que je remets encore de la couleur, mais à la façon des aquarelles, dans certains petits creux pour faire ressortir les détails, pour donner de la profondeur. J'émaille par-dessus et je reprends encore une troisième fois la sculpture après la cuisson pour la finition, pour je maquille, quoi, voilà. D'accord. Voilà, et je rajoute un peu d'or ou ce qu'il y a à rajouter, voilà. Merci Laurence. Merci à vous. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Donc vous êtes peintre ? Alors moi je suis peintre, je peins depuis 2010. J'ai toujours aimé la peinture. Mais voilà, je n'osais pas me lancer. Et puis, j'ai eu un gros problème de santé en 2010. Et voilà, ça m'a stimulée et ça m'a, j'ai eu envie de mettre des choses sur une toile. Donc, je suis attirée par l'abstrait, hein, toujours. L'abstrait, et puis, par les couleurs. L'abstrait coloré. Et les couleurs. Et le mouvement aussi. Hein, voilà. Donc, je travaille en fonction de ce que j'exprime. C'est, je pense, une grande part d'inconscient. Et puis, mes états d'âme. Et quand vous avez fini un tableau, est-ce que vous pouvez en parler pour parler d'émotions que vous aviez C'est compliqué parce qu'un tableau, ça ne se fait pas d'un seul jet. Hein. Moi, j'y reviens. Sur ces tableaux, il y a plusieurs couches, hein, ce qui fait parfois qu'il y a aussi de la profondeur. D'accord. Donc, c'est difficile. Souvent, je travaille avec de la musique aussi. Hein, donc, ça m'inspire aussi la musique. Mais dire. Après, l'abstrait, je pense que c'est au spectateur de se projeter aussi un petit peu dans la toile. Et puis de lui aussi d'éprouver des sentiments. Merci. Voilà. Bonjour Petrus. Bonjour. Vous êtes peintre ? Oui, tout à fait. Attiré vous aussi par la couleur ? Oui, c'est la peinture abstraite. Je travaille la peinture depuis une quarantaine d'années déjà. Je suis venu à l'abstrait petit à petit. J'ai commencé par le figuratif et puis j'ai évolué vers l'abstrait parce que c'est l'essentiel de la peinture. Voilà, j'essaie. Et vous exprimez quoi des sentiments, des émotions? J'essaie de chercher l'inconnu, comme disait Baudelaire, je cherche l'inconnu, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et l'inspiration vient en peignant? Voilà, tout à fait. Ouais. Donc je cherche la matière, la couleur, voilà, la révélation de la peinture. Donc vous vous révélez au fur et à mesure que vous peignez? Tout à fait, oui. Merci Béatrice. Merci. Bonjour Pauline. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Bah, je fais la terre aussi, ouais. Voilà. Et puis beaucoup de papier aussi. Donc, des installations, la récup pour faire. Mais là, je n'ai pas amené beaucoup d'installations. Et la terre, et j'expose beaucoup. Et l'idée, c'est quoi? C'est plus quelque chose de décoratif ou d'artistique? Ça veut dire qu'en 2017, il y avait une expo au musée de Tournon. Alors, sur le papier, alors c'est... Et c'est à ce moment-là que vous êtes lancée? Pas tout à fait. J'avais créé une robe de mariée pour ma belle-fille en 2007. Mmh. Voilà. Dans le thème de papier, elle s'est mariée avec la robe en papier. D'accord. Et depuis, vous faites du papier? Et depuis, on m'a invitée pour exposer sur du papier. Alors, je crée beaucoup de choses en papier et faire aussi la récup. Tout ce qui est rouleau de papier toilette en carton, je fais un tapis de couleurs. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas emmené parce que je n'ai pas beaucoup de place. Mais voilà, je fais beaucoup d'installations. Merci, Pauline. Merci. Bonjour, Daniel. Bonjour. Vous êtes peintre ? Un peu. Un peu. Oui, je suis entrée dans l'association Zinzolin en tant que peintre. Je fais de la gouache, je travaille la gouache. Puis je fais un peu photographe aussi. Je suis chabeuilloise, donc je participe aux rencontres de la photo et je fais de la photo. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que la photo a une influence sur votre travail à la gouache? C'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression. Ouais, on dit souvent que ce que je fais, ça fait penser à de la peinture, donc ce serait plutôt en ce sens. D'accord. Et puis j'aime que la photo soit vraiment une création, soit par la lumière, le sujet ou le travail de la photo, le travail après. Là, il n'y a pas beaucoup de travail dans ces photos, mais je fais des superpositions aussi. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est vraiment créer. Merci. Merci. Donc, Mireille, ça veut dire merveille. Oh, oui, je ne sais pas.
du coup, quelles sont vos merveilles que vous avez à nous présenter ? Eh bien, il y a ma série d'oiseaux qui sont faits soit émaillés, soit au raku. J'aime bien associer un petit peu de bois. D'accord. Voilà. Et puis... C'est que des oiseaux que vous... Non. Après, il y a le groupe qui est derrière vous. Donc, c'est plutôt stylisé. Voilà. D'accord. Et... J'ai touché un petit peu à la terre, un petit peu au bronze, et puis vous voilà. Touche à tout. Touche à tout. Ouais. Merci. Et de rien.